pas évident d'être adjoint au maire en exercice et de quitter l'équipe pour aller dans une autre coalition qui n'était pas sûre même de gagner. Il fallait être courageux. Non, je pense que je suis né dans ce quartier. J'ai grandi ici, j'ai fait mes humanités ici. Je connais ces gens. Je les connais très bien. Quand j'ai aujourd'hui, je suis arrivé le matin à 8h, j'ai regardé le visage des gens du quartier Bouna. J'ai senti que nous allons gagner aujourd'hui parce que je connaissais maman, je connaissais papa qui m'ont bercé. Donc je ne peux pas être très long. Il fait nu. Je vais laisser le leader, le ministre Moussa Baldé et le maire Mamboy Diao. Ils vont faire leur conférence de presse. Après, je reviendrai largement au nom de la grande coalition. Mais je tiens d'emblée à remercier tous les leaders du quartier. En l'occurrence, Michael Diédiou. Michael Diédiou, il a abattu un travail extraordinaire avec son mouvement Kolda Kongel Kessol et toute l'équipe du ministre qui est au quartier Bouna et tous les autres alliés qui se sont battus, Abdoul, Younous Mbalo, le maire Aziz Bodian, Jiva, Mafal, tout le monde, sans oublier personne, exception aucune, je vous remercie, que la paix soit avec vous. Je félicite et j'encourage l'équipe qui a perdu, surtout mon jeune frère Abdourahmane Baldé, que je respecte beaucoup, qui a de l'avenir, qui est généreux, qui est courageux. Je pense que s'il maintient le cap, un jour aussi, il aura sa chance. Bon, la prochaine étape, c'est, je pense que nous allons d'abord fêter la nuit porte-conseil. Dans les jours à venir, nous reviendrons très d'une manière très libre, d'une manière très autonome, très digne. Mais d'emblée, que nous avons vendu notre programme au Koldoua, et les Koldouas ont accepté ce programme et ce projet, nous n'allons pas trahir. Nous ne serons pas le maire à Kolda, nous serons un maire de Kolda qui va s'occuper des Koldouas. Merci beaucoup.